cofondateur d'une jeune entreprise en technologie qui est United Biometrics. Nous sommes implantés à Caen au niveau de notre équipe de développement et également à Paris pour la partie commerciale. Donc, on a vu précédemment une présentation très intéressante sur la recherche de failles. Ces failles donc, sont utilisées par les hackers pour créer des désordres informatiques qui causent aujourd'hui des problèmes gravissimes. Donc nous travaillons en cybersécurité, nous avons développé un logiciel d'authentification forte à partir de biométrie. J'imagine que vous connaissez tous la biométrie ici, et c'est un moyen que l'on a développé pour contrer les hackers, stopper la fraude, sachant que sur toutes les failles informatiques dans le monde, aujourd'hui, on a 50% de ces failles et des hackers qui passent par les mots de passe. Vous rentrez tous sur des applications par les mots de passe, donc les mots de passe sont très fragiles, ne représentent pas une bonne sécurité. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que les banques, par exemple, on va parler du domaine de la finance ici, multiplient le nombre de mots de passe pour tenter de stopper la fraude. Et vous avez des situations qui deviennent difficiles pour l'utilisateur en termes d'ergonomie, où vous avez, par exemple, 2 ou 3 mots de passe à rentrer, des challenges, des OTP, ce qui pose réellement un problème dans la mesure où le hacker peut quand même passer, parce que lui n'a pas besoin de chercher chaque mot de passe individuellement, il va reproduire toute la séquence des mots de passe et rentrer sur l'application. Nous travaillons aujourd'hui en priorité pour le domaine de la finance, de la banque, de l'assurance, de l'e-commerce, et le sujet, c'est de respecter une réglementation européenne qui est unique au monde, qui a imposé au domaine de la finance 2 directives. Une directive qui s'appelle PSD2, qui veut dire de mettre, pour entrer sur une application bancaire, de mettre plusieurs facteurs d'authentification. Donc c'est ce qu'on appelle la directive PSD2, et cette directive PSD2, elle est couplée à une autre directive qu'on a vue ce matin, qui s'appelle en anglais GDPR, en français RGPD, qui est de protéger en même temps les données de l'utilisateur qui va s'authentifier. Donc c'est ces 2 aspects que l'on va voir et que l'on traite, nous, au travers de l'authentification forte. Vous êtes tous des clients, en fait, des réseaux sociaux, vous êtes clients de votre banque, vous rentrez sur de nombreuses applications, vous achetez sur Internet. Que demande l'utilisateur? L'utilisateur, il veut que ce soit facile et ergonomique. Donc, il ne veut pas avoir à se souvenir de plusieurs mots de passe et qu'il ait en même temps l'impression que ces mots de passe ne protègent pas. Donc ça, c'est le premier niveau. La deuxième chose, l'utilisateur tient à ce que ses données personnelles soient protégées. Ça, c'est important. On est dans un monde où on a aujourd'hui abusé des données personnelles. Si on fait un test pour chacun de vous, on peut retrouver très facilement, il y a des hackers qui ont développé des petits logiciels qui vont chercher votre trace sur tout Internet et qui font une fiche signalétique et qui vont vous donner votre date de naissance, votre nom, votre numéro de compte en banque, votre numéro de carte bancaire, votre numéro de téléphone, etc. Et donc, un hacker va pouvoir prendre votre identité, s'identifier sur un réseau social éventuellement, ou s'identifier à la banque et faire une transaction. Donc on a besoin vraiment de protéger l'utilisateur et en même temps de protéger ses données privées. Au niveau des établissements bancaires, par exemple, on traite aussi l'industrie pour protéger des sites industriels au niveau de l'informatique, mais là on va traiter la finance. Au niveau des établissements bancaires ou de la banque, en tant que grand opérateur d'applications financières, a besoin d'une meilleure sécurité. Donc il y a vraiment un besoin aujourd'hui. C'est factuel, parce que plus un opérateur bancaire met les mots de passe à disposition de ses utilisateurs, plus le niveau de fraude augmente. Donc, il y a vraiment un problème, c'est un problème factuel qu'il faut régler. Deuxièmement, elle a besoin aussi d'être en règle vis-à-vis de ces deux directives PSD2 et GDPR. Parce que si elle n'est pas en règle, en fait, la communauté européenne a prévu des amendes très lourdes de plusieurs dizaines de millions d'euros à partir de mai 2018. La protection des données personnelles, ça veut dire que la banque doit mettre en place des systèmes qui garantissent que les données personnelles sont protégées, sont mises à la disposition, en fait, du monde Internet ouvert et des hackers. Donc, qu'est-ce qu'on a développé? Là, on en vient au domaine que l'on connaît bien. Donc, nous sommes vraiment des experts dans le domaine de la sécurité. On traite la cybermalveillance et ça va jusqu'au cyberterrorisme. Qu'est-ce que l'on fait exactement? On a remplacé le mot de passe que vous connaissez, ou les mots de passe que vous connaissez, par de la biométrie. Et on va demander à l'utilisateur, par exemple, qui rentre sur le portail de la banque pour vérifier son compte, de s'authentifier avec minimum 2 biométries. Dans ce sens, on est parfaitement à la norme européenne PSD2 qui demande minimum 2 facteurs d'authentification. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va vous demander en fait, de mettre sur votre mobile ou sur la tablette de mettre 2 biométries. Exemple, un doigt, donc une empreinte digitale au choix. Les capteurs existent aujourd'hui sur la plupart des téléphones. On va vous demander une signature biométrique sur l'écran du smartphone ou de la tablette. Là aussi, pas besoin d'équipement supplémentaire. C'est nous qui avons développé donc, la prise d'un chemin biométrique. Ça s'appelle un chemin secret biométrique. Et on va prendre donc, la rapidité, la pression sur l'écran et puis votre signature. Donc ces 2 biométries font tomber pratiquement à zéro la fraude, parce que le hacker, en fait, ne pourra pas prendre ces biométries. Elles sont compatibles avec l'ensemble des terminaux mobiles, et on va faire, en fait, une double authentification. On ne va pas seulement se contenter de vous authentifier par rapport au terminal que vous utilisez, mais on va aussi, sur un serveur déporté, qui est en général dans la banque ou chez le client, on va vérifier en temps réel et simultanément que votre profil existe bien. Donc sécurité réellement accrue. Cette sécurité, on la rend complètement anonyme pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la biométrie ne s'est pas beaucoup déployée. Elle a commencé à se déployer massivement aux États-Unis. En Europe, elle ne s'est pas beaucoup déployée parce que l'Europe est très sensible à la protection des données personnelles. Et la biométrie aujourd'hui, les exemples biométriques, c'est le passeport biométrique. Bon. On stocke vos données personnelles sur un fichier. Bon. Ça, c'est une approche que l'on ne veut pas. On a déposé des brevets justement pour prendre la puissance de la biométrie, où on est sûr que c'est la personne qui est derrière la transaction ou l'accès à un réseau, mais on ne stocke pas votre profil personnel. Comment on fait ça? En fait, on va le faire parce qu'on prend votre biométrie vivante, donc à un moment donné, on a réellement une biométrie. Et dès que cette biométrie est prise, on la transforme, on la hache, on la transforme en code barre non réversible. Donc vous devenez, en fait, une personne réelle, et transformée, si on peut dire en code barre, qui est inutilisable pour le hacker. Ça, c'est unique, c'est vraiment très innovant. Et si vous ajoutez cet élément qui est complètement anonyme et qui est important, parce que ça veut dire qu'on va bénéficier d'un outil extrêmement puissant et complètement anonyme pour garantir la protection des données personnelles. Si on le rajoute à une vérification sur le mobile et une vérification sur le serveur, plus plus une agilité au niveau des biométries, parce qu'on va pouvoir traiter, par exemple, plusieurs biométries. Alors, quelles sont les biométries que l'on traite? C'est le doigt, c'est la signature sur l'écran du smartphone ou de la tablette, c'est le visage, c'est la voix, l'iris. On a développé également le clavier biométrique. Donc vous tapez sur votre clavier, vous avez une biométrie unique. C'est-à-dire que vous avez une vitesse, une caractéristique de frappe, une pression sur les touches qui est unique. Donc ça permet de sécuriser cette fois-ci le PC, celui qui est derrière son PC dans l'entreprise, par exemple le directeur financier qui fait un virement, il va être sécurisé au travers d'une biométrie du clavier. Donc si vous combinez cet ensemble de points forts, c'est-à-dire de la multibiométrie, une double authentification, qu'elle soit sur le terminal ou qu'elle soit sur un serveur, le fait que nous soyons anonymes, nous répondons parfaitement et à la directive où il faut plusieurs facteurs d'authentification, directive européenne, et à la directive donc, de protection des données personnelles. Au niveau de l'architecture, sans aller trop dans le détail, vous avez donc, sur la droite, vous avez des applications. On a donné des applications de paiement, mais ça peut être, par exemple, on est consulté sur les applications de réseau social. Aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment protégé quand vous rentrez sur un réseau social. Il faut savoir que sur le réseau social, vous donnez des informations très sensibles. On peut récupérer votre photo, on va récupérer à un autre endroit votre date de naissance, on va pouvoir créer un profil très facilement. Ce qui a été dit sur la présentation précédente, c'est la réalité, c'est-à-dire un cyberhacker aujourd'hui, très facilement, il peut avoir accès à des données sensibles, il peut recréer une identité, et ensuite, il y a quelques cyberhackers qui vont s'attaquer à des sujets un peu plus difficiles, mais la majorité rentre très facilement parce qu'il n'y a aucune protection. Donc on a des applications à droite, donc il peut y avoir application réseau social, application par exemple bancaire, paiement, parce que vous payez tous à donner avec votre carte bancaire, par exemple à partir de votre PC, vous achetez sur Internet, mais vous avez aussi un accès, si vous faites du gaming, vous pouvez être authentifié sur du gaming, il y a des sommes en jeu, des souscriptions, ça ce sont des éléments aussi importants, et on va en réalité vous authentifier donc avec ces biométries qui sont sur la gauche, qui vont être prises à partir d'un terminal. On va contrôler sur la base de données également pour assurer une meilleure sécurité. S'il y a un match, donc une corrélation entre votre profil base de données anonyme et ce que vous venez de donner sur le terminal, qui est aussi vérifié sur le terminal, on vous laisse passer. S'il n'y a pas de corrélation, vous ne passez pas. Et ça, c'est imparable pour les hackers qui, eux, sont habitués à dupliquer une chaîne de mots de passe. Là, ils ne peuvent pas dupliquer en fait la chaîne biométrique. Le petit dessin donc, montre que l'on va mettre sous forme de code barre en fait, tous les profils et tous les identifiants donc, des personnes à partir de la biométrie. Le fondement de cette technologie est française, donc 100% française, c'est une invention majeure aujourd'hui, unique. Elle a fait l'objet de 3 brevets qui sont délivrés, un brevet français, un brevet européen et un brevet américain. C'est vraiment une des solutions, c'est pas la seule solution, mais la biométrie aujourd'hui est une des solutions pour sécuriser tous les environnements informatiques, qu'il soit relationnel, réseau social, qu'il soit du gaming, ou que ce soit des réseaux d'entreprise ou des réseaux bancaires. Voilà en résumé, de manière très synthétique, ce que je voulais présenter pour encourager les questions, et puis